Salut les voyageurs, et déjà avant tout, bonne année 2023, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, santé, joie, rencontre, tout ce que vous pouvez souhaiter, et bien le meilleur pour 2023. Comme annoncé depuis deux épisodes, vous savez que, en ce qui nous concerne, il va y avoir quelques changements majeurs en 2023. Alors je vous les donne en vrac, il y a un changement de pays. Nous passons de la Suisse à la France voisine de la Suisse. Il y a aussi un changement de travail, puisque nous allons arrêter de travailler en mode finalement retraite très anticipée, puisque à l'été 2023, nous aurons respectivement 57 ans et 54 ans. L'idée, bien sûr, c'est qu'il y aura aussi des changements pour ce qui nous concerne ici sur la chaîne AEA en CC. Un petit bilan, nous en sommes presque à 950 abonnés en 3 ans. C'est beaucoup, c'est peu à la fois. Je dirais que c'est bien pour une chaîne qui présente ce type de contenu. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas sur YouTube pour gagner de l'argent ou pour compléter quelque part des revenus. À partir de là, vous n'allez pas trouver dans les épisodes des quêtes pour pouvoir nous payer du matériel, sachant que ça coûte pas mal d'argent, c'est vrai. Pas non plus de mise en scène de nos abonnés, c'est quelque chose que je n'apprécie pas du tout et je présume aussi les abonnés non plus. Pas de violence verbale, hein, on n'enguirlande pas des gens, on ne dénonce pas le système, pas particulièrement d'opinion politique. Et si un jour il devait y avoir un placement de produit, parce que ça peut toujours arriver, eh bien j'essaierai de faire mon possible pour que ce soit intégré de manière élégante dans les épisodes. Par ailleurs, aucun épisode ne vous donnera des informations très très précises sur nous au niveau de notre vie privée. Là, vous venez par exemple de découvrir notre âge il y a peu de temps. Mais sinon, on pense que ça, c'est réservé au fait de pouvoir rencontrer certains abonnés et en parler donc à des personnes qui deviennent des amis. Parlons un tout petit peu des rencontres. Donc 950 abonnés et à ce jour, à part des amis qui sont abonnés ou des rencontres qu'on connaît, eh bien deux rencontres au travers de ces 3 années de YouTube. Brigitte et Guy en 2021 et puis par ailleurs Monique et François en 2022. Avec de très belles rencontres et une façon de se connaître finalement petit à petit qui a toujours été la même, c'est le fait de se rencontrer une première fois, d'échanger et si, comme ça a été le cas, le courant passe bien, eh bien d'envisager un périple commun dans les mois qui suivent si nos calendriers fonctionnent bien ensemble. Que vous soyez camping-cariste ou pas, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Ce que nous trouvons important, surtout maintenant qu'on va pouvoir disposer d'un peu de temps, c'est quelque part la qualité des échanges et de belles rencontres. L'idée pour la suite des épisodes, c'est qu'on puisse vous annoncer bien longtemps à l'avance nos prochains périples. On en a plusieurs en tête. Hein. On a un tour de l'Espagne par les côtes, on a quelque part de l'Écosse ou de l'Irlande, ou encore de la Norvège, de la Finlande. Voyez, on a pas mal d'idées, effectivement. L'idée, c'est de pouvoir profiter et de vous les annoncer bien à l'avance pour échanger déjà des expériences, pour que vous puissiez aussi influencer nos itinéraires, parce qu'on n'est pas censé tout savoir, loin de là, sur les itinéraires qu'on a envie d'essayer. Et puis, pourquoi pas, faire un bout de chemin ensemble, si nos agendas respectifs pouvaient le permettre. Même si les épisodes, je souhaite qu'ils restent très informatifs et structurés, avec des cartes pour que vous sachiez toujours où on se trouve, ce qu'on est en train de faire, et surtout donner un peu plus d'informations que simplement un visuel à montrer des lieux, il va quand même falloir qu'on change quelque chose, parce que le fait de rechercher des informations après coup et de les apporter sur les épisodes en mode « je commente les images qui passent », ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et avec l'accélération de nos balades et le souhait de pouvoir sortir aussi plus d'épisodes pour qu'il y ait plus de matière quelque part pour vous, il va falloir trouver le moyen de changer ça pour commenter beaucoup plus sur place dans l'action. Voilà les quelques informations que la chaîne AEA en CC souhaitait vous transmettre en fin d'année. Encore une fois, excellente année 2023. Profitez bien de tout, prenez du bon temps et pourquoi pas, on en prendra un peu ensemble. À bientôt !